Je vous présente Kabiesi Adeolu, qui a régné comme Kabiesi du royaume d'Aou durant 93 ans et a disparu. Ses fils ont été tués dans la guerre. C'est alors que Kabiesi Oyomesi a fait de notre lignée une lignée royale. Notre dynastie a commencé avec Kabiesi Ewawo, qui sera succédé par Kabiesi Ekwakwe. Kabiesi Ekwakwe sera succédé par mon père, Kabiesi Edumari. La plus importante caractéristique de mon père est qu'il n'a point de tolérance pour les abominations. Comment m'as-tu vu? Comment as-tu su que je suis ici? Fayemi, je suis ton grand frère. Je sais tout sur toi. Si quelqu'un t'écoute maintenant, la personne pensera que tu as déjà 40 ans, alors que tu me dépasses juste avec 4 ans. 4 ans ou 4 jours? Je suis toujours ton grand frère. Fayemi, qu'est-ce que tu fais tout seul dans cette forêt maléfique sans tes gardes? Tout le monde s'inquiète de toi là-bas au palais. As-tu oublié que tu es un prince de ce royaume? As-tu oublié que mon nom est Ifayemi? Pas besoin de t'inquiéter. La forêt est ma maison. Je suis ici pour chercher certaines herbes afin de préparer la tisane de Warakba.
Mais je ne trouve pas une herbe. Une très importante herbe. Merci au Dieu que je t'ai trouvé. Nous devons retourner au palais maintenant. Tunde, est-ce que tu es sourd? Je dis, je cherche une herbe. Et je ne vais nulle part si je ne l'ai pas trouvée. Quelle herbe, si je peux demander? Oishé, pour compléter la composition. Oishé, une herbe très commune. En effet. Tu aurais dû demander mon aide au lieu de te promener sans objectif dans cette forêt maléfique. Fayemi. Ton aide. Comme si tu savais mieux. As-tu oublié? Je parle aux herbes. Elles m'écoutent. On échange. Mais je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Oh. Je pense qu'il faut crier plus fort. Et elle t'entendra peut-être. Tunde, tu me distraires. Si tu penses que tu sais mieux, si tu penses que tu maîtrises cette forêt, Tunde, je te défie. Et c'est un devoir qui trouvera cette herbe premièrement. Qu'est-ce qu'il y a? Fayemi, un conseil pour toi. Ne lutte pas avec tes dieux. Nkoti agbafinjeko. Abeweloa. Fayemi, j'accepte le défi. Voyons qui trouvera l'herbe premièrement. Avant que la nuit ne tombe. Fayemi. Je t'ai attendu. Enyewo. Egbomi. Bumi, Yawa. Ekaro, à votre service. Ekaro, Bisida n'est pas encore retournée. Beniawa, elle n'était pas partie immédiatement. Elle vient de partir il n'y a pas longtemps. Ah, elle est partie toute seule? Et que fais-tu ici? J'ai insisté d'aller avec elle, mais elle a refusé. Elle ne voulait pas que je l'accompagne, comme elle connaît déjà la maison de Baba Ao. Tu l'as laissée partir seule. Tu as laissé Omoba partir sur cette route-là toute seule. Et si alors quelque chose de mal lui arrive, que vas-tu faire? Mabi, voilà. Je voulais la suivre, mais elle allez, ne voulait tais-toi. Pas du tout. Arrête de me parler. Allez, va-t'en d'ici. Ekaro. 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 Ya elemi. Ya tunde karo. Karo ya. Owura la da ni ma
Onuri, Caro. Caro, qui l'on s'aimait? Vous vous êtes vu avec Kabi ici aujourd'hui? Non, je n'ai pas vu Kabi ici. Mais tu as l'air heureux. Les jours ne se ressemblent pas. Je suis venue écouter la nouvelle de la bouche de moi, Sissi. De quelle nouvelle es-tu en train de parler? Olori, j'ai appris que Kabiesi est le chef du conseil. Il prépare la cérémonie d'initiation de Faemi à Kurireo. Mais tu m'as dit que tu n'étais pas vu avec Kabiesi. Alors, comment as-tu appris la nouvelle? Caro, tout le monde, c'est moi qui lui avais demandé de faire ça. Oh, sauf Mini. Ben. C'est moi qui devais lui donner cette nouvelle et pas toi. En fait, j'avais besoin de Julisée. Voilà pourquoi je lui avais demandé de faire ça, hein, vous voyez. Vous savez qu'Etunde aime bien s'occuper de ses affaires. Yatunde, tu aurais dû garder mon secret. Ah, un secret? Ah, ça c'est confirmé. En fait, ça c'est une bonne nouvelle. Echego. Fukini, tu devais aller remercier Kabiesi et pas moi. Tu sais comment il est doux avec ses enfants et très spécialement Ifeayemi. Kabiesi est doux envers nous tous, avec ou sans enfants. Il est, oui. Bumi Kori. Et Yatunde? Hein? Mais tu m'as dit que Bumi était allée avec Boussi. Est-elle partie seule? Et ma Bumi? Yatunde, elle sort money. Hear me, Caro. Hear me. Qu'est-ce que je devais faire? Elle m'a dit de ne pas la suivre. J'ai juste obéi à ses instructions. Ou devrais-je désobéir en nommant bas? Hear me. Là, dans ton repos, s'il vous plaît, donne-moi la force de servir le trône à la perfection. Yami, ça c'est pour toi. Thank you.
Je lui avais très bien donné les instructions. Oui, elle devait l'emmener là-bas chez Baba Annie en tant que servante. C'est ce que tu étais censé faire. Ne le savais-tu pas? Oui, Yawa. Mais quand je voulais... Mais quoi? Ah! Oh! Sidi, si ne revient pas de la même façon qu'elle était partie. Rassure-toi que Kabiesi aura ta tête sur un plateau. Là, si je ne te tue pas moi-même. Aro. Yabisi, calme-toi. Bisi va revenir. Comme toujours. Yatunde. J'ai à te parler. Yatunde. Nos anciens ont toujours dit, danse au rythme du drum qui fait Ekpa, Ekpa, avec précaution. Il y a un autre adage qui dit que ta propre sueur n'arrose pas les jardins d'un autre. J'étais entendu, oh. Mais c'est quoi la raison de ces proverbes? Yatunde, je suis Lolori. Je suis la première parmi toutes les femmes de Kabiesi. J'étais ici avant que l'on puisse épouser Yabiesi et toi. Oublie le fait que je n'ai pas d'enfant. J'ai son amour. J'ai son attention. J'ai son soutien. Je veux que tu agisses avec précaution. Yatunde, agis avec attention. Sinon, je serai ici quand Kabiesi va t'enterrer. Igbamio. Sois prudente. Yatunde, sois prudente. Yami. Pour la même raison que je suis tenue à l'œil. S'il vous plaît, guide Aboma Bisi. Elle est la fille unique de Obas. Si quelque chose de mal lui arrive, je suis sûre que Oba va en vouloir à ma vie. Et Joe Yami, s'il vous plaît. Yami, s'il vous plaît. Guidez-la. Yami, écoutez, bon, je crois que vous m'avez entendu et que vous le ferez. Merci. Yami, une fois encore, ça c'est pour vous. Je suis très désolé. Écoute, je ne voulais pas te faire peur comme ça. Ne sois pas énervé. Bisi Yaomi Mabinu, ma femme, je suis désolé, ok? Tunde, moi, ta femme? Tu sais que c'est pas possible et tu le sais bien. Kolecheche et Jenny, tu es mon sang, tu es mon frère. C'est pas possible et tu le sais. De quoi est-ce que tu parles? Ah, écoute, Bisi, tout est possible. Tout est possible, Bisi. Je suis un prince prétendant de ce royaume et tu le sais. Destiné à devenir le Kabiesi de ce royaume un jour. Écoute, Bisi, quand je deviens le Kabiesi, tout changera. Je ferai tout ce que je veux. N'oublie pas, les rois ne supplient pas. Ils décrètent. Toba lâchait. Depuis la nuit de temps, il n'y a jamais eu de Kabiesi qui ont couché ou épousé leur sœur. Je ne saurais le faire. Depuis que je suis née, je n'ai jamais entendu de telles conneries. Même si tu t'es rendu n'importe où. C'est du tabou. C'est de l'abomination. Et tu le sais. Écoute-toi-même, Bisi. Tu viens de tout dire. L'histoire. C'est ce que nous entendons. L'histoire. Personne n'était là. Personne n'a vu rien se passer. L'histoire. Tu viens de le dire. L'histoire. Personne n'était là. Personne ne l'a vu se passer. Personne ne sait si ça s'est jamais passé. Et même si ça ne s'est jamais passé, moi, je le ferai produire. Je le ferai produire pendant mon règne. Tu sais pourquoi? Pour deux raisons.
pour faire l'histoire ou bien pour réécrire l'histoire. Écoute, Bissi, Ifemi, je sais que tu m'aimes. Et je t'aime aussi, s'il te plaît. Ne permets pas à ces idées de... Écoute, ne permets pas à ces choses de nous empêcher de... Que se passe-t-il ici? Bissi? Ah! Bissi? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu cries comme ça, qu'est-ce que tu m'avais fait? Qu'est-ce que tu fais ici? Rien du tout, je partais remettre ceci à Babadé. Bissi? Ifayemi, félicitations. Je vois que tu as finalement trouvé l'herbe de nos ancêtres, Ewoïche. Et je peux voir comment tu es attentif pour la trouver. Tunde, je t'ai prévenu de rester loin de Bissi, n'est-ce pas? Fayemi, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Quel est ton problème, Fayemi? Tu l'as bien entendu. Rien ne se passait ici, rien. Pourquoi tu sonnes comme ça? Fayemi, j'avais toujours voulu te demander ceci. Pourquoi tu aimes te comporter comme une femme? Pourquoi? Bissi est ta grande sœur et elle peut prendre soin d'elle-même. Et d'ailleurs, je l'aime et elle m'aime aussi. Elle est ta sœur. Demi-sœur. Elle est ma sœur aînée. La lignée sanguine de ton père. Tu avais dit ça avant et je l'ai entendu. Tu l'avais dit avant. Quel est ton problème? Attends, tu sais, ce que tu fais est une abomination. L'inceste n'est pas autorisé nulle part sur la terre Yoruba, principalement pas dans ce royaume. Qu'est-ce qui t'a pris, Tunde? Kabiesio, je t'ai entendu. Ha. Donc tu es maintenant le roi, tu es maintenant le Kabiesio pour me dire ce qui se passe. Ifayemi, écoute-moi et écoute-moi très bien. J'aime Bissi. Et il n'y a rien que quelqu'un puisse faire à ce sujet, y compris toi. J'aime Bissi. Tu penses que c'est de la blague? Tu penses que c'est drôle? Je t'ai fait une promesse. La prochaine fois que je te vois approcher Bissi, Kabiesi en entendra parler. Et c'est exactement ce que je vais faire maintenant. Oh, s'il te plaît, je suis désolé, ne me rapporte pas à Kabiesi, je suis désolé. Oh, Fayemi, tu veux aller me rapporter à Kabiesi, n'est-ce pas? As-tu oublié que je suis le prince prétendant de ce royaume? Fayemi, fais ce que tu veux. Sois libre. Va au palais et rapporte-moi à Kabiesi. Dis à Kabiesi que Tunde est amoureux de Bissi, la princesse. Suis mon regard. Hé! Fayemi, attends. C'est une bonne journée. Et il n'y a pas assez de tâches à accomplir au palais. Les choses n'évoluent plus à la normale puisque Omoba Bissi n'est pas encore de retour. Mais je crois que tout ira bien. Yami, je prie et je crois que tu guideras Omoba Bissi peu importe là où elle est. Je ne veux pas qu'elle me mette dans le trouble avec Oba. Qui es-tu et que fais-tu au palais d'Igwe? Parle tout de suite avant que je t'arrache la tête. Toi? Qu'est-ce que tu fais par ici? Je rends hommage à ma mère. J'ai été choquée et blessée. Ah, ça, c'était de l'extrême. Sortir de Halloween. J'étais surprise.
Ce n'était même pas un secret. Hein? Ce n'était pas du tout un secret. Bien sûr que ce n'était pas un secret. Sinon, Kabiezé m'en informerait lui-même. Exactement. Ah. Fayemi! 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 Qu'est-ce que c'est, Tunde? Hein? Kilode? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu agis comme un enfant? Pourquoi? Tunde, donc, tu me poursuis jusqu'au palais pour me dire ça? Attends, tu as peur. Oh, tu n'es plus le tout-puissant héritier du trône? Qui s'en fiche de ce que j'ai dit à Kabiesi? Hé, attends, peur de quoi? De qui ai-je peur? Ai-je l'air peureux? Écoute, tout ce que j'essaie de dire est que tu arrêtes de te comporter comme un enfant. Sois mature, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Dis-moi, que penses-tu que le Kabiesi dirait si tu vas chez lui et lui parles de l'inceste entre ton grand demi-frère et ta sœur? On verra cela. Au moins, il connaît la vraie définition d'abomination. De quoi parle-t-il? Je n'entends rien. Son djara m'encore sonne. Il monde. Ah ah. Hey, où pense que tu vas? Tunde, qu'est-ce qu'il y a? Fayemi, parlant d'abomination, ça fait 2 jours de marché, je t'ai vu. Ouais, je t'ai vu. Assis sur le trône de Kabiesi. Toi, m'as vu? Qu'est-ce que tu dis? Tu pensais que personne ne regardait? Tu pourrais être frappé à mort, tu le sais. Je veux juste avoir un aperçu de ce que ça fait. En mettant ta vie en danger? Vraiment? Écoute. Personne ne s'assoit sur le trône de Kabiesi sauf le Kabiesi. Même pas moi, le prince prétendant. Et en parlant d'abomination, je n'ai même pas couché avec Bissi. Et tu es ici m'accusant d'avoir commis un acte abominable. Maintenant dis-moi, qui est coupable? Qui? Donc tu n'as pas couché avec Bissi? Non, je ne l'ai pas fait. Quand bien même j'ai mon plan. Tunde. Bientôt. Écoute, donc Fayemi, si je t'avais laissé, donc tu allais me dénoncer. Hein? Donc tu veux me dénoncer. Écoute, tu es libre de faire ce que tu veux, mais souviens-toi que j'ai aussi quelque chose contre toi qui peut intéresser le Kabiesi ou le chef des notables. Souviens-toi toujours de ça. Tu n'as pas de témoin. Ok, vas-y, on va voir. Vas-y, non. Et Fayemi? Tunde. Écoute, faut pas essayer. Tu vois ce que tu as causé. Tu es responsable. Tu vois ce que tu as causé. Ya. Qu'est-ce qui se passe ici? Bissi, Dieu merci, oh. Où étais-tu parti? Ia, où étais-tu? Ia, je suis désolée. Nous n'avons rien fait. On ne faisait que causer. Causer? Causer avec qui? Papa ne parle pas. Mais de quoi? Qu'est-ce que tu parles? De quoi parles-tu, Bissi? Bissi, je suis aussi. Eh ben, elle est où, ta mère? Elle s'est enfuie dans la forêt. On n'a pas pu l'enterrer parce qu'elle était possédée par l'esprit de l'invocation. Qui l'a finalement tuée? Alors elle est morte?
Mais tu continues malgré ça de venir à la forêt maudite pour parler avec elle. Je crois qu'elle m'écoute. Elle augmente ma force dans la marche de tout le jour. Va plus loin dans la forêt et continue ton rituel de communication avec elle. Et que je ne te revoie plus aux environs d'ici. Était-ce clair? Tu peux y aller. Bissi, à qui parles-tu? Bissi! Sarah! Bissi! Oh, Ia, s'il te plaît, je suis désolée. Je n'ai pas pu arriver chez Mabadé. J'étais tombée par erreur et son petit cadeau était abîmé. Bissi, tu dis que tu as fait quoi? Dis-leur ce que... Leur dire quoi? Fayami, leur dire quoi? Étais-tu là-bas? Bien. Je ne sais rien. Je n'étais pas là-bas. Je ne sais rien. Et on se voit après. Ah ah. Tunde, Ia... Je t'en prie, je suis désolée. Ah, je suis vraiment désolée. Ce n'était pas intentionnel. Bissi, c'est bon. Que le Dieu soit loué parce que tu es déjà de retour. S'il te plaît, prochainement, avant de quitter ta case, rassure-toi que tu sors avec Boumi et l'un de garde. N'ose plus jamais sortir toute seule. Oui, Ya. Rassure-toi de sortir avec Boumi et l'un de garde. Entendu? C'est bon, entendu. Éché. Boumi. Boumi. Oui, Yawa. Moi, je vais dans ma case. Oui, Yawa. Chauffe de l'eau pour Boussi. Elle doit prendre sa douche. Ok. Après, tu envoies la nourriture à la princesse. Oui, Yawa. Dira Boumi de m'apporter à manger. Tout de suite. Oui, Amoba. Le faire découvrir lui-même. Amoba. Où est mon père? Il est allé dans sa chambre. Attends ici. De temps, il a dit qu'il passera. Il n'avait encore jamais dit une telle chose, mais je crois qu'il sortira très bientôt. Tu peux partir.
Yawo. Olori. Qui a pris ma couronne et tout ce qui va avec? Bien si o ka de perori iba ta quelle c'est ka bien si tu m'as appelé ka bien si je suis là ka bien si ka bien si Kabiesi, qu'est-ce qui lui est arrivé? Rien, Olori. Qu'est-ce que tu veux dire par rien? Je te demande, qu'est-ce qui lui est arrivé? Non, il ne lui est rien arrivé. Es-tu sûr? Je te demande encore, qu'est-ce qui lui est arrivé? Arrête de me donner ta réponse, rien du tout. Comment ça? Qu'est-ce qui est arrivé à Kabiesi? Rien. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Qu'est-ce que tu essaies de dire par rien du tout? Es-tu sourd ou quoi? Qu'est-ce qui est arrivé à Kabiesi? Tu ne sais plus parler? N'est-ce pas que c'est toi son garde dans ce palais? C'est toi qui travailles avec lui, tu es censé savoir ce qui se passe? Es-tu sourd? Olori, il est arrivé ici, il a juste pris sa couronne. Et cette chose est sortie dedans. Et pour une raison quelconque, il a regardé dans sa couronne. Il a fait quoi? Il a regardé dans sa couronne? Essaies-tu de dire que Kabiesi a regardé dans sa couronne? Ah! Chimanche, Ewo. Je pense qu'il se demandait comment ce truc était entré dans sa couronne. Il a même oublié que c'était une abomination pour Kabiesi de regarder dans sa couronne. Qu'a-t-il oublié? Qu'a-t-il oublié? Qu'est-ce que tu as fait? As-tu essayé de les rappeler? As-tu? Je suis désolé, Olori. Je ne suis qu'un simple garde. Mon travail ne consiste pas à conseiller le Kabiesi. Veux-tu la fermer? Tais-toi! Sors d'ici! Va m'appeler Babalao immédiatement! Ça veut dire quoi, ça, enfant? Qu'est-ce que c'est ça? Kabiesi!
Kabi ici, qui l'a dit? Qui l'a dit? Maintenant, regarde ce que tu as causé. Fayemi, regarde ce que tu as causé. Tu te comportes juste comme un enfant. Maintenant, regarde. Tunde, baisse ta voix. Tu faisais le mauvais choix. Et j'essayais seulement de t'arrêter. Et qui a fait de toi mon juge? Qui? Tunde, elle est ma sœur. Elle est ma sœur aussi. Ta demi-sœur. Même ma sœur de sang. Même père, même mère. Oh, donc tu le sais. Fayemi, donc tu sais qu'elle n'est pas ma sœur de sang. Et tu essaies tout ce temps pour empêcher son amour. Pourquoi? Quoi? Vraiment? Tunde, tu vois pourquoi elle a besoin de protection? De qui? De toi, Tunde. D'accord, Fayemi, que fais-tu ici? J'ai besoin de ton aide. Oh, Fayemi, tu as besoin de mon aide. Le grand Fayemi qui a toujours rejeté mon aide encore et encore. Maintenant, tu sais que tu as besoin de mon aide et tu as commencé cette dispute. Tunde et Joe, s'il te plaît. C'est à propos de Kabi ici. C'est notre père. Je ne sais pas ce qui ne va pas bien avec lui. Mais quoi qu'il soit, je pense qu'il est mourant. S'il te plaît, essaie de sauver notre père, s'il te plaît. Je vivrai avec la culpabilité pour le reste de ma vie. Si on ne fait rien, s'il te plaît. Essayons de sauver notre père, s'il te plaît. Ah, Fayemi. Fayemi, écoute-moi. Si Kabi ici meurt, tu l'as tué, pas nous. C'est ton problème, pas le nôtre. Donc va le fixer. Parce que je ne vais pas m'impliquer dans ça. Tunde. Tunde. Yami. Yami. Chiemi ni mirami. Yami chimoni rami. Yami. Yami a visité Daru. A visité Daru, le palais désemparé. Yami. Yami sous la sauce. Emma sous la sauce ne reste pas endormie. Ne reste pas endormi pour toujours, Yami. 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 Yami, ne me laisse pas dans le trouble. Ne reste pas indifférent. Je suis troublé, Yami. Yami. Même tu, Yami. Même tu, Yami. Si tu m'aimes, ne me laisse pas dans ces troubles, Yami. Yami, ne reste pas endormi, Yami. Yami. Yami, s'il te plaît. Yami, s'il te plaît, fais quelque chose. Quand
Ojoti baba lo lolodi laye. Ah, kabiyesi o. Bude ai gbe ko si orun mi la. Ka mo de re mo. Ewo kabiyesi. Ah. Ewo. Kabiyesi. Ah. E ba ti ma se bayi kabiyesi. Ewo. I wonu ade kabiyesi e ti siju wonu ade. Sacrilège. Kabiyesi a regardé dans sa couronne. C'est un sacrilège. Ah! Sumbasun afisukun ni o lo sumbasun afisukun ni afisukun ni lo mu wa difa fun baba onile ogidigi to fi ri takute o lo dia Lorsque Bessie va mourir, confirme-moi à la maison. Je dois rentrer dans mon sanctuaire et voir ce que je peux faire. Ah. Mais si jusqu'au coucher du soleil, rien ne fait, Kabiyesi rejoindra ses ancêtres dans le monde de non-retour. Omode ibinu omi, comment bomi? Agbalagba ibinu odo, comment wo elodo? Aki ibinu omi ka so lo so mi. Ka so lo so mi. O se wo. Ifai te. Écoutez-moi bien maintenant. Personne ne peut entrer dans ces palais. Peu importe la raison. Personne, même pas le chef des anciens. Kabiyesi est dans un état de faiblesse. Et cette info ne peut être connue hors de ces palais. Vous pouvez maintenant rentrer à vos postes. Tunde. Ouais. Je pense que je connais un moyen. Dis-le-moi. Quatre ans de cela, le Baba Lao a appris à la famille royale comment faire pleuvoir en utilisant des herbes, peau et le feu. Fayemi, qu'est-ce que ça a à voir avec le fait de faire que le soleil s'arrête? Pense! Tunde, pense! Tu as dit qu'il t'a aussi dit comment rendre le soleil plus brillant.
en dehors de son propre temps. Ouais, me l'a dit, mais je ne l'ai jamais pratiqué. Peu importe. Nous pouvons commencer à le faire. Oui. Écoute, nous avons peut-être une chance de sauver le cabi ici. Essayons de faire quelque chose. Ou bien rendre les choses pires, Fayemi. Qu'est-ce qui pourrait être pire que la mort? Tunde. Il mourra. Si nous restons ici sans rien faire. Hey. Ok, d'accord. Mais le Babalao m'a aussi dit que les rituels ne peuvent pas être faits dans le palais sans le consentement de Kabiesi. Ah. Problème. Mais je pense qu'il y a un moyen pour obtenir son consentement. Ouais. Ouais. Créer son consentement? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Fayemi, tu vois, si on peut trouver un matériel avec lequel Kabiesi était consciemment en contact avant son handicap, ça peut réussir. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que cela pourrait être? Il était en contact avec son roi. Et l'ardoise que j'ai mise dans sa couronne. Fayemi, non. Ne compte pas sur moi, Fayemi, ne compte pas sur moi. Je ne peux pas toucher le roi Haché. Non, je ne peux pas faire ça. Tunde. Écoute, non. Le roi Haché n'est pas dedans. Je ne peux pas toucher le roi Haché. Mais écoute-moi bien, voici ce que nous allons faire, ok? Apprêtons l'autre matériel, puis on ira chercher l'ardoise. Ok? Ok. C'est ça. Donc, allons-y. Ayami, mais voici votre offrande de sacrifice. Agrée cette offrande. Ce rôle n'est pas bien droite. Ajuste-la. Ça va. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Le feu ne brûle pas. Essaye d'approcher Kabiesi. Personne, Omoba. Qu'est-ce que tu veux dire par personne? Tu étais là tout ce temps? Oui, Omoba. Personne ne s'est approché du Kabiesi. Il y avait une ardoise dans sa main. Où est-elle? Qui l'a pris? Non. Oh, c'est Olori qui l'a pris. Olori a pris l'ardoise? Oui, Omoba. Es-tu sûr de ce que tu dis? Oui, Omoba.
Vas-y. Pourquoi le ferait-elle? Fayemi, toi tu vas aller, moi je vais surveiller la solution. Olori te respecte beaucoup et elle va t'écouter. Fayemi, c'est pour cette raison que tu dois aller. Écoute, quand Olori te voit, elle ne va pas t'engager dans aucune longue discussion. Tu sais qu'elle est tendue maintenant. Et si elle me voit, ce sera une opportunité pour elle de pleurer. Et tu sais que nous n'avons pas ce temps maintenant. Les gardes peuvent suivre la solution. Personne, Fayemi, personne ne peut suivre cette solution, sauf nous. Fayemi, tu perds le temps et tu sais que nous n'en avons pas assez. Fayemi. Je t'ai attendu, j'arrive. Ah. La voici. Comment est-ce que ça s'est passé? Quelqu'un t'a vu? Non. Et comment est-ce que tu as fait? Olori n'était pas là? Tunde, commençons le processus. Le temps joue contre nous. Fayemi, il a quelque chose que le Babalao m'a dit lorsqu'il m'apprenait cette procédure. Quoi? Le Kabiesi est supposé donner son consentement. Tu l'as déjà dit. Ce n'est pas pourquoi je suis allé chercher l'ardoise. Fayemi, si le Kabiesi ne donne pas son consentement et nous procédons comme ça, il y aura des conséquences. Quelles conséquences? À Djalonla, des conséquences graves. Et ça, c'est le seul moyen de savoir si ça a marché. Tondé, on n'a pas le temps. Faisons rapidement ce qu'on peut faire pour ramener en vie Kabiesi. Quand il est guéri, on n'a pas à s'inquiéter d'une quelconque conséquence. Commençons. Que Kabiesi les Kodja, que le soleil s'arrête pour que Kabiesi puisse traverser. Qui est au duro de Dieu?
qui Kabiesi les Kodja, que le soleil s'arrête pour que Kabiesi puisse traverser. Qui est au Durandede, qui Kabiesi les Kodja, que le soleil s'arrête pour que Kabiesi puisse traverser. Qui est au Durandede, qui Kabiesi les Kodja, que le soleil s'arrête pour que Kabiesi puisse traverser. Qui est au Durandede, qui Kabiesi les Kodja, que le soleil s'arrête pour que Kabiesi puisse traverser. Qui est au Durandede, qui Kabiesi les Kodja, que le soleil s'arrête pour que Kabiesi puisse traverser. Qui est au Durandede, qui Kabiesi les Kodja, que le soleil s'arrête pour que Kabiesi puisse traverser. Ça a marché. Ça a marché. Ça a marché. Ça a marché, Femi. Dieu merci. Merci. Femi. Kabiesi.